arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Y'a que le petit pote Sabre Coup, nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo présentation de deck. Avant que les vidéos commencent les gars, très très important, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre meilleur pouce bleu, ça me ferait extra plaisir et merci à tous ceux qui feront. Alors aujourd'hui on va se présenter un petit deck mineur grattage, un peu spécial, puisque tout simplement c'est un gars que je connais, il s'appelle Never, gros billet peut-être sur la vidéo. Son Twitter sera en description pour ceux qui veulent le suivre. C'est un excellent joueur, il a fini top 2 à une grosse compète où il y avait plein de pros du type Mohamed Light et tout. Et puis voilà, donc on va se jouer son deck, c'est ça spécial. Et voilà, en tout cas je vois que vous kiffez les vidéos 2.6, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos 2.6. Et puis voilà, des petits conseils si je peux essayer d'en donner. Et puis c'est parti. On va commencer par une petite cabane de gobelins tranquillement. Ok. Ok, mais une cabane, on va les poisons. On va être tranquillement poison. Ok, mais un sorcier. Bon, on va laisser la cabane, ça sert à rien. On va mettre une. Ouais, je vais mettre une MG, je pense. Ah merde, j'ai pas vu qu'il restait des gobelins derrière. Est-ce que. Ouais, c'est bon. Ok, on va aller commencer à mettre notre premier mineur. On va les mettre des petits zappis, puisqu'on sait pas ce qu'il a comme ça, on... Merde. On sait pas ce qu'il a comme ça, on évite de... Oula... C'est relou, ça. Ok, bon. On va voir ce qu'il fait. Je pense c'est la. Je vais garder mon poison. Hop, pour son extracteur. Ok, on va les mettre la charrette ici pour la détruire le sorcier. Voilà, tranquillement. Ok, chuchu, logique. On va pas partir recrue tout de suite. On va essayer de tamponner un petit peu, on va mettre une petite MG. Ok, mais un M4, très bien. On va les mettre le coco. Avec l'MG, ça devrait gérer normalement assez facilement le MK. Ok, là, par contre, une nouvelle poison, on va aller la prendre. Ok, parfait. De mettre sur ses glaces, un peu panique. Et on va aller mettre un petit coup de MG, peut-être. Ouais, nickel. Un petit coup de MG, ça fait plaisir. Alors, attention, là, il a quand même deux ponts. Bon, là, il n'y en a plus qu'une. Ok, il y a une cabane. Vous faites le moment de partir en recrue, tout simplement. Hop là. Je vais aller colis son sorcier. Le problème c'est qu'il a sorcier, sorcier de glace, MK, il a pas mal de choses pour détruire mon push. Voilà. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va hop faire comme ça je pense, c'est pas mal. Là on va les poisons les gobelins pour pas qu'ils nous cassent les couilles. Voilà, parfait. Là on va le mettre un petit mimi. Hop, ça me paraît pas trop mal. En plus on pré-shot le sorcier. Je sais pas si il a fait exprès mais. C'est pas ultra intelligent. Et. Parfait, la charrette focus. Est-ce que ça peut tuer peut-être le sorcier? Voilà, nickel, parfait. Faut que je fasse gaffe à pas trop split. Ok, on va mettre une petite charrette tranquillement. Les petites MG, le coco. Oh, nickel, très beau colis de ma part. On va les mettre des recrues au pont, écoutez. On va faire comme ça, on va mettre le mineur en plus. On va mettre le poison. Et ouais, je pense que c'est une win, ouais, j'ai la rage quitte. Parfait. Parfait ça. Là, on a très bien joué, on a pris notre temps. Et bah c'est super clean. Parfait. Bah là, ce profil en de spi. Ok, bon, je viens d'être très bizarre, il n'avait pas une condition. Ok, allez hop, c'est parti dans la deuxième game. Deuxième game contre Ideka Puzo. C'est parti, bon on a la cabane encore une fois. Ok.
petite cabane tranquillement. Ok, il va laisser qu'il y aura poison. Le poison peut-être un tout petit peu tardif. Ok, ça va aller sur la cabane, donc je me fais pas trop de soucis. Ok, parfait. On va aller mettre le minère ici pour la MG. Ok, il y a un électro-sorcier. Très bien. Hop, l'MG qui va s'occuper de l'électro-sorcier tranquillement. Ok, bon. Est-ce qu'on va pas prendre deux coups, c'est bon. Ok, on va split les apis. Hop. On aura notre cabane qu'on mettra un peu plus basse cette fois-ci. Un cran plus bas, je pense, ou peut-être deux. Ok, on va le mettre deux crans plus bas. Et je pense qu'on va aller poison la princesse. Ok, là, mais il joue en ce moment, mais depuis qu'il y a le défi de la Saint-Valentin, ils jouent tous, absolument tous, archer plus princesse. On va aller mettre la MG ici. S'il défend pas, il va prendre un coup de MG. Ok, je vais faire défendre. Écoutez, on va mettre les épices. Ok, parfait. Bon, pour l'instant, on est vachement bien. Ok, ouais, sorcier glace, sorcier truc, princesse, sorcier magique. Bizarre. Ok, on a poison. Ça permet de tuer la princesse, c'est pas trop mal. On va pouvoir mettre une petite cabane, même si on n'a pas utilisé l'élixir, juste pour mettre une petite pression. Ok, on va mettre un petit mineur en plus. Ok, parfait, on pré-shot l'archer en plus, c'est parfait ça. Ok, clean. On va mettre un électro-sorcier. On va mettre une petite charrette dans le fond du terrain. Hop. Colis ici, toujours. L'AMG. Dès qu'il avait un chevalier d'or, j'avais carrément oublié. Donc il a un deck super bizarre. Donc un aller recru ici. Hop. Là, faut juste que je fasse gaffe. Ok, on peut mettre un petit mineur en plus. Là, il va certes avoir un bon MK, mais bon, il le met pas, je sais pas pourquoi. Et là, le mettre tardivement et la charrette aura déjà focus la tour. Donc ça va être la win sur ça. Hop. Voilà. Vous voyez que le deck est quand même très très puissant hein, dans l'ensemble. Il est carré quoi. Bon, c'est cool, on a encore gagné. On va regarder son profil encore une fois. J'aime bien regarder le profil des gens pour voir qui j'affronte. Ok, bon bah on part dans cette troisième game. Ok, c'est parti de troisième game. Par contre les gars, je suis en 11-0, ça se passe comment? J'ai pris 40 secondes de trouver la game. Wesh. Ok, petit mineur pour commencer la game, on est par contre Raymond GG de Otakus. Il nous a un petit fuyé gobelin défensif, qui nous joue un petit lockbait, très bien. Ça me convient. Ok. Cabane, petite cabane pour mettre une petite pression. Ok, chevalier d'or, on va coller, il attend un petit peu, ok. Il met le sondage bêtement. Excusez-moi pour le blindement les gars. Le sondage bêtement, donc ça me va. Ok, bon la cabane qui continue à péter les couilles. Ok, on va mettre la charrette sur ça. Petit apis ici, parce qu'on n'a pas de sort, le problème ça va être ça, c'est qu'on n'a pas vraiment de sort. Peut-être c'est qu'il y a un petit mineur derrière là, ça peut être pas mal je pense. Là ça va le mettre dans la sauce, hein, parce que là les trois gobelins ils vont quand même connecter. Hein. En plus il y a le mineur derrière qui va prendre le focus, et il a utilisé sa bûche. Il n'y a pas de la tour sur ça, donc on va directement... Ok, il a mis une bonne princesse. Peut-être ma cabane qui est un peu naïve. Bon, de toute façon, on a plus trop d'élex normalement. Ouah, quoi, il force avec un cheche là. Pas sûr du chevalier, là. Ok, on va mettre un gang sur ça, ça fait mal. Ça fait mal. Mmh.
Ok, on va split les Zapis tranquillement. Moi, ça, malheureusement, je peux pas trop défendre. Il y a un Zapis qui va aider, mais. On va pré-shot son gang de gobelins. Ok. Bon. Il a pas mis son gang. On va mettre la cabane ici. Hop, tranquille. Bon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recruter. Hop. Dans tous les cas, on va utiliser notre mineur pour terminer la tour. On a un très bon poison ici. J'ai un peu raté mon poison, mais tranquille. J'étais un petit peu lent sur le colis. J'aurais pu être plus rapide. Bah, la chatte était peut-être un petit peu abusée de ma part. Bon, tranquille. Ok, panique là. Wow, attends, sur le cas, c'est une win. C'est une win incontestable. Là, on lui a roulé dessus, hein. Genre vraiment, Ok, parfait. On va regarder son profil. Voilà, voilà, on tombe pas sur les mecs très très forts. Pourtant, c'est mon super défi, hein. Donc, je comprends pas trop. Bien surtout, les games commencent. Et c'est parti pour la dernière game. Contre Kukuhashi. Ok. Voilà, on n'a pas une bonne bande de départ. On va suivre les Zapis. Ok, MG, très bien, ça me convient. Ouais, ok, mineur au pont, pourquoi pas. Ouais, non, je suis vraiment pas sûr, quoi. Bon, on va poison ça. On va mineur pour essayer de garder la MG en vie, peut-être. Ok, c'est du molosse. Très bien. On a pas grand-chose pour défendre dans ce... Oh, il molosse en plus. On a le colis, quoi. Ça va pas plus loin que le colis. Et malheureusement, là, le problème, c'est que ça va en souhait qu'il va rester en vie. Mettre la MG, hop. La question c'est, est-ce qu'il a flèche ou boule de feu? Une tombstone. Ok, mais son mineur, c'est bien joué, ça va être chiant pour les squelettes. Ok. Ok, ça c'est bien joué. On va colis. Petit sac à pas qui va pas servir à grand chose pour le coup. On a les gobelins à lance. C'est loin d'être la meilleure option. Et c'est pas mal d'Elex là. On va pouvoir forcer avec une petite charrette. Ok, tombstone. Ok, très bien. Ça me va. Comment on peut passer là? On va mettre déjà des recrues pour commencer. On va pousser sa machine à chaque fois, hein, je pense. Merde, je peux faire exprès, j'ai mis que le MG. Ouais. On va mettre la charrette là. Ok, on va mettre le colis ici. Le colis qui a pour faire le taf là. Ok, pour l'instant ça va. Tout se passe bien. Ok, on défend. On peut continuer ça avec une petite cabane, mettre un petit mineur. Et pourquoi pas poison? Ok. Ça c'était majeur de sa part. Là on va pas mal gratter. S'il met sa machine, on peut poison. Ah parfait. On va poison. On va mettre l'MG au pont ici pour essayer de défoncer le monstre le plus vite possible. Là l'MG peut-être si la machine peut. Voilà, c'est un poison. Parfait. On a les Zapis ici. On va les colis. Mettre un petit mineur là. Hop. Peut-être poison def. Ça peut être pas mal le poison là. Bah nickel. Donc dès qu'il a mis sa capa, c'est exactement pour ça que j'ai mis le poison. Et on défend assez facilement. Et on va prendre la win facilement dès qu'on a recyclé le mineur.
Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que le deck vous aura convaincu. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous a plu, c'est vrai coup. Ciao, ciao.